Je pense que la relativité est un exercice qui est intéressant, qui était certainement nécessaire. Je ne suis pas certain que le timing de l'implémentation de cette relativité soit le meilleur, parce que nous sommes dans une période où les budgets des entreprises ont été faits ou en janvier ou en juin. Et donc une augmentation de salaire importante au mois de septembre ou octobre vient évidemment impacter négativement les entreprises. L'année que nous venons de dévoiler aux analystes est une année qui a vu le chiffre d'affaires d'IBL passer de 52 milliards à plus de 102 milliards de roupies. Nous avons connu une croissance solide sur nos activités à l'île Maurice, mais une croissance exponentielle sur les activités nouvellement acquises en Afrique de l'Est et à La Réunion. Nous avons également vu une consolidation au niveau de l'EBITDA généré par le groupe.